Samedi 31 mai, 6h30 du matin, nous venons d'entrer en Serbie. Cette nuit, nous avons parcouru environ 200 km sur le Danube. Par le Danube, nous sommes à environ 800 km de la mer Noire. À 7h15, nous arrivons à la première écluse. Il y a beaucoup de vent, le Danube est très agité. Les passagers restent planqués dans les salons. Allez, on passe à l'île de suivant. Alors vous voyez, vous pouvez gagner là, il y en avait beaucoup. Alors n'hésitez pas. Parce que je vais dire un pays au hasard, peut-être ça marche. Nous sommes à 945 km de la mer Noire.
Parce que 15 et 15. Donc là, jusqu'à notre arrivée en Serbie, dans la porte de fer, il y en a quand même. Mettre là, on a 34. Longède, ici, je crois que c'est 180, quelque chose. Notre descente, 145. Sortons du deuxième sas. Le roi Décébal était l'adversaire de Trajan, qui vécut de 87 à 106 après Jésus-Christ. Les rochers deviennent de plus en plus élevés, le lit du Danube se resserre. Les 19h30, nous sortons des portes de fer à hauteur de la ruine de Golubac. Nous allons arriver à Belgrade pendant la nuit. Nous serons à 1154 km de la mer Noire.